Nombre des suffrages exprimés, 150. Nombre des voix constituant la majorité requise pour être élu, 76. Nombre de voix recueillies par la candidate proposée par le conseil exécutif, 131. Nombre de voix contre, 19. Mesdames et messieurs, Madame Azoulay ayant obtenu la majorité requise, je la déclare élue directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. I am very proud to join UNESCO's team, and I would also like to commend the leadership of Irina Bokova, who served with determination in times of crisis and difficulties. Nothing in the future will be possible without the commitment and confidence of the staff and of the member states. And I think we have all to be united by the strength of the mandate of UNESCO. And it is in this spirit of dialogue and cooperation that I will start my mandate. Pour moi, il est très important que l'UNESCO garde sa porte ouverte